Les festivités se suivent et ne se ressemblent pas sur le rocher. Après un flamboyant Grand Prix de Formule 1 à Monaco marqué par la victoire du double champion du monde en titre Max Verstappen, la principauté a organisé le 100e anniversaire du prince Rainier III, décédé à l'âge de 81 ans en 2005. Pour honorer le souvenir de ce prince bâtisseur, les Monégasques ont eu droit à une foule d'événements qui ont démarré ce 31 mai 2023, mené par le souverain Albert de Monaco, accompagné de son épouse Charlène et de leurs jumeaux. La journée a pu permettre de voir également toute la famille fondée par le prince disparu et son épouse, l'iconique Grace Kelly. Ainsi, Caroline de Monaco était évidemment de la partie avec ses quatre enfants, Andrea, Charlotte et Pierre, ses trois premiers enfants, issus de son couple avec Stefano Casiraghi, ainsi qu'Alexandra, la plus jeune dont le père Ernest Auguste de Hanovre. Dans une robe style nuisette de la maison Simone Rocha, elle mise une nouvelle fois et avec succès sur ses jolies épaules. Avec ses lunettes Céline aux contours blancs, elle est plus glamour que jamais, sa grand-mère Grace Kelly aurait validé ce look. Dans une sublime décapotable qui fait partie de la collection privée du prince Rainier III, elle se trouve sur certaines photos à l'avant du véhicule, son frère aîné Andrea Casiraghi au volant. À l'arrière on peut voir l'amoureux de la jeune femme de 23 ans, Ben Sylvester Strootman, particulièrement enthousiaste. L'amoureux de longue date de la fille de Caroline ne cache pas son bonheur de partager ce grand moment avec tout le rocher. Puis, il retrouve sa bien-aimée lors d'un autre déplacement, dans une automobile conduite cette fois par Pierre Casiraghi, accompagné de son épouse Béatrice Borromeo et leurs enfants, Stefano et Francesco.